Bah les gars, c'était juste pour vous dire que j'avais oublié de faire l'intro. Bah, salut à tous, c'est Dark. Je vous laisse avec la vidéo. J'espère que ça vous plaira et n'hésitez pas à donner votre avis pour le commentaire. Alors, est-ce que c'est possible d'avoir FNAF, des modes FNAF sur Minecraft? Alors, pour ceux qui ne savent pas, c'est possible d'avoir des modes Minecraft sur PlayStation 4. Mais pour faire ça, il faudra un téléphone, une tablette, un iPad. Un iPad, c'est une tablette. Ouais. Et, ou un PC avec l'édition comment s'appelle Bedrock si je me trompe pas, et vous devez ajouter votre ami, votre compte PlayStation 4 en ami avec votre compte PC, et puis votre compte PC doit lancer la map ou le mode et votre compte PlayStation doit rejoindre. C'est comme ça que j'ai eu ça, et franchement ça fait plaisir de retrouver des moments de jeu avec ce fameux jeu Five Nights at Freddy's, qui est quand même un bon jeu. Je veux pas entendre de critiques à cause je veux pas entendre que les gens ont cassé le jeu. Pour moi, ce qui a cassé le jeu, c'est Scott qui a voulu abuser avec l'histoire. De base, l'histoire c'était marrant, pas marrant, mais c'est cool. On avait du suspense, mais ça commence à venir. Ça a été sur 6 jeux. Même on va, je vais compter le FNAF avec le téléphone, là, un peu à la Pokémon. Je vais le compter avec 7 jeux, mais ça n'a rien à voir celui-là. Et on a eu un teaser il y a maintenant un an avec le nouveau Final Fantasy Freddy's. Moi qui me hype, parce que j'aime beaucoup FNAF. Mais j'ai installé deux modes avec la pizzeria. Et je vais pas vous mentir qu'il y aura des courts-métrages qui vont être faits ici. Ici. Dites-vous que ça sera pas fait avec ça. Ni avec ça. Ce sera fait plutôt avec ça. Regardez, je vais vous montrer avec des animations. Alors vous vous dites, ah oui, c'est bien, mais ça bouge. Voilà, ça bouge. Je suis d'accord avec vous. Attention, il va y avoir un bruit quand je le tue. Ça bouge beaucoup, mais on mettra des blocs invisibles, ce qui cachera un petit peu la zone quand on bougera. Mais c'est franchement pas si dérangeant. Alors voilà, vous voyez que c'est super bien animé. C'est sur mobile que j'ai réussi à télécharger le mode parce que mon compte Dark il met là-bas. Alors aussi vous dites que il faudra que je me connecte avec mon compte et on verra le pseudo. Ben regardez, en 3 secondes vous voyez plus 1 2 3. Ah voilà, on le voit plus, je me suis mis en sneak. Voilà, alors je crois que j'aurai l'aide de Cut et pas de Maxence, parce que Maxence il a été faire des choses qu'il fallait pas faire, et pour lui c'est tout à fait normal. Je vais pas rentrer plus dans le sujet, mais il y aura plus vraiment de vidéo écrite parce que il fait des choses, et quand j'essaie de lui expliquer que pour lui que c'est pas normal et qu'il devrait réagir un petit peu, il comprend pas, et voilà, il a fait des choses qu'il fallait pas. On va pas s'en tirer plus sur le sujet. Il y aura l'aide de Cut et sûrement de certaines personnes, comme peut-être Maxime. Ça dépend, il faut voir, mais il y aura 4 sur et certains qui m'aidera. On en a plein, on en a plein, on en a plein. On a Twinstead Bonnie, ça c'est pour les livres si je me trompe pas, mais on a aussi Foxy Dance. Oh, celui-là j'ai pas vu. Ça crache depuis bien longtemps. Le problème c'est que sur mobile à tout moment ça peut crash, alors je devrais vite faire les sessions. Et tantôt je vous parlais d'un mode Five Nights at Freddy's. Alors, non, plutôt un court métrage, excusez-moi, je suis perdu dans mes pensées en ce moment. Un court métrage Five Nights at Freddy's, et oui, j'en ferai un, car j'aime beaucoup l'histoire. Je sais pas si j'ai touché à ça, s'il fallait pas. Je vais laisser comme ça. Je sais pas, j'ai touché de toute façon la map gelée en 2 fois. Mais je ferai des courts métrages, et je ferai que 5 nuits et 5 nuits. Je sais même pas si je vais faire 5 nuits, mais je sais qu'il y aura des épisodes. Et ce ne sera pas complètement repris sur la série. Je ne vais pas essayer de faire trop original non plus. Je vais pas faire comme les gens et tout. Mais en fait, ce que je voulais faire, moi, c'était montrer que sur PlayStation 4, on pouvait quand même avoir une bonne qualité pour faire des courts-métrages. Et avec Five Nights at Freddy's, qui est une bonne idée de court-métrage, mais qui fera sûrement rappeler des souvenirs aux anciens. Aux anciens, à ceux qui l'ont connu, parce que ancien c'est tout ce qui est arrière-grand-père, voilà.
La Chica. Mais voilà. Je préfère pas faire spawner Foxy Dance, mais voilà. Alors, pour ceux qui pensent. Pour ceux qui veulent savoir si je passerai sur PlayStation 5, je ne crois pas. Je m'achèterai plutôt un PC car un PC c'est beaucoup plus performant et on aura des mods et tout. Ce qui serait mieux que forcément un PlayStation 5. Même sur la PC, même si je crois que sur la PlayStation 5 il y aura un ray tracing sur Minecraft, mais voilà. Si on a un fantôme. Je sais pas ce que c'est, je vais essayer de le tuer. Mais voilà, c'est. Ah voilà. C'est pas non plus dégueulasse. Et j'essaierai de faire des courts-métrages avec ça. Bon, je ne promets pas non plus que ce soit d'une super bonne qualité. Voilà. Si je les tue, c'est normal. C'est parce que voilà, vous voyez bien qu'il y a des animations. Alors, je me serais bien mis en survie. Mais c'est, je sais que si je me mets en survie, je vais me faire TK par. Je vais me faire TK par eux. J'ai pas trop envie de me faire TK par Golden ou Springtrap. Voilà. On a aussi les peluches, mais les peluches elles TK aussi. Comme hier, Cut il s'est baladé, j'ai posé une peluche et ça l'a tué. Et on a tout, on a même Fredbear, Spring Bonnie. Spring Bonnie qui est super bien fait pour le coup. De base, qui est un animatronique que j'aime bien. Voilà. Par contre, pour les pieds, c'est pas ouf non plus, mais voilà. Alors, si vous voulez que je fasse un court métrage, dites-moi dans les commentaires et même je le ferai sur certains. Pas besoin de votre avis, parce que c'est voilà, c'est quelque chose que j'ai envie de faire. Et si je vois que l'épisode 1 vous plaira, je sais pas si c'est français, mais voilà, vous plairez, non, vous plaira, voilà, oui, je ferai sûrement la suite. Voilà, on a Fredbear. J'ai l'impression qu'il est plus grand que Spring Bonnie. Mais non, ils font tous les deux la même taille. Voilà. Ils sont très très bien faits tous les deux. Mais ça, je les utiliserai pas du tout, Fredbear et Spring Bonnie. Parce que c'est pas les animatroniques principales de la série que je vais faire. Ah ben, je vous présente en même temps les systèmes de Hudson. Attendez. Je vous montre vite fait, hein, mais voilà, c'est fait comme ça. C'est fait. Les portes sont faites avec ça. C'est des simples blocs, mais voilà. On a tout ça. On a les dessins qu'on retrouve dans le 2. Voilà. On a quoi comme dessin? On a ça. Je sais qu'il y a des easter eggs avec ça, mais j'ai pas trop compris. Funtime. Ça, c'est plein de références au poster. Ça, je sais que c'est un easter egg dans le truc. On a Game Over, le Game Over de FNAF. On a un peu. Une peinture normale, une autre peinture, une autre peinture, une autre peinture. Quand tu. Je crois que quand tu fais les 5 nuits. Non. Ça c'est quand tu. Ah non. Ça c'est. Je sais pas. Ça c'est le fond. Ça c'est le chèque. Il a gagné 120 $ pour 5 nuits qui ont pu lui coûter la vie. Voilà. Est-ce que t'as bien caché la date? Et voilà. Mike Schmidt. Je me demande pas s'il est origine allemande. Voilà. Et voilà, ici on voit Family's Pizzeria et recherche un employé pour nuit de 6 h à. Non, de. 22 de minuit à 6 h du matin. Il regardera les caméras, il aura un équipement, un caractère, il sera responsable de. Voilà, 120 € pour week-end. À part que c'est pas le week-end, c'est toute la semaine qui fait. Et voici le numéro. Voilà, appelé. Voilà. Mais voilà. Franchement, j'espère que la série va bien marcher, que ça va plaire à beaucoup de personnes. Alors, on va faire. Alors, il n'y a personne. Bah, j'espère que ça vous aura plu. Si vous voulez un tuto complet pour installer les démods sur. Un tuto beaucoup plus précis, parce que je vous l'ai expliqué. Plus précis comment voir des mods, je vous ferai une vidéo dessus, mais qui sera divisée en deux parties, comme je serai pas mettre voilà, comme je serai, ben, elle sera divisée en deux parties, pas plus ni moins,
J'expliquerai peut-être sûrement plus tard pour vous expliquer pourquoi je ferai ça en deux parties. Mais voilà, les deux parties seront postées vite fait. C'est-à-dire que je posterai la partie 1, je ferai vite fait la partie 2, ou je ferai la partie 1 et la partie 2 et je les poste en même temps. Voilà. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à vous abonner. J'espère que ça vous aura plu. Et ça fait du bien de retrouver un peu ces personnages qui sont morts depuis longtemps. Morts. Ils sont pas morts, mais il n'y a plus personne qui en parle à cause de certains jeux comme Fortnite et tout. Fortnite qui est un jeu que je déteste d'un côté et que j'aime bien d'un autre parce que son système de créatif est pas mal, mais j'y joue plus vraiment. Mais Fortnite n'est pas si mauvais jeu que ça, mais c'est Epic Games qui n'écoute pas sa communauté. Et voilà. Ben voilà. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à liker, vous abonner et ciao.